Goumlam, 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 goumlam. Goumlam, 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 goumlam,
lam, goum 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 lam.
Otep Hatshepsut Nachamsoha. Salutations divines envers vous, cher Makeru. Cher abonné. Moi, Ra Ramesu II, Ramsès II. En ce jour où j'ai fait le choix de dormir aujourd'hui dans la forêt pour pouvoir faire le rituel de convocation d'un génie qui va s'occuper de cette semaine. J'invite vous, les Makeru, à me rejoindre spirituellement quand vous allez vous coucher. À me rejoindre pour les enseignements. À me rejoindre pour recevoir les secrets des rituels d'évocation pharaonique. Rejoignez-moi comme il vous l'a été indiqué dans vos obélisques, c'est-à-dire dans les documents initiatiques. Mettez en place votre autel. Déclenchez la formule
et rejoignez-moi tout précisément à partir de 22h22. Aujourd'hui, je vais dormir dans cette forêt. La nuit, je vais commencer le rituel. Un rituel de 3 heures du temps où un génie qui est très utile pour cette semaine qui va commencer a besoin d'être instruit sur la marche à suivre pour un bonheur extraordinaire de 56 600 km². Un cheminement consistant dans lequel le génie active un bonheur extraordinaire dans le cœur de chaque Togolais. Vous les Makeru du Tchad, du Cameroun, Brésil, Amérique, Allemagne, Angleterre, Mali, Burkina, Bénin. Rejoignez, comme il vous l'a été indiqué dans vos obélisques, ce rituel de haut niveau qui sera déclenché cette nuit aujourd'hui. Pour que ce génie qui sera entretenu et généré au centre du temple Sanctum déguisé d'Ambiam, pour le bien de tous les Makeru partenaires qui ont leur Sanctum. Allumez vos bougies. Allumez vos 7 bougies, comme il vous l'a été indiqué, du haut vers le bas. Et selon la phase. Et profitez du bonheur que nous allons déployer aujourd'hui à la source du temple pour jaillir cette force cosmique pour notre prospérité en tant que Makeru, pour notre bonheur, pour notre protection ultime contre la dimension la plus diabolique, comme les énergies diaboliques. Alors, cher Makeru, mettez-vous au travail. Et aujourd'hui, nous allons... Bon, après, on va parler de ça. En attendant, vous, les abonnés, nos amis, vous qui visionnez nos vidéos, vous êtes invités à analyser la vie de l'école spirituelle Ambiam et de participer pleinement à notre bonheur et en bénéficier pleinement. Pour bénéficier de ce bonheur, c'est très simple. Dans un premier temps, vous avez besoin de marcher avec les pierres précieuses, avec ces émeraudes, sur le chemin de votre destinée. Quand on marche le chemin de sa destinée, on échoue rarement. Et les ancêtres, les génies ancestraux, les génies de votre clan, de tous bords, seront présents pour votre réussite, feront tout possible pour vous booster. Vous qui avez encore vos parents vivants, je vous ai indiqué comment expliquer votre papa de verser l'eau quand vous commencez le rituel. Quel que soit là où il est, il doit verser l'eau quand vous travaillez. C'est terrible. Quand nous avons fait l'expérience, c'était marqué où on dit même que c'est la douceur comme faire l'amour. On invite les curieux, les chercheurs, les savants, conscients de l'importance de l'équilibre, de l'harmonie cosmique, à rejoindre l'école spirituelle Ambiam et de profiter de nos secrets, de nos enseignements pour améliorer la société. À quoi sert ce qu'on connaît si on veut obliger tout le monde à être comme soi-même? Non. Chacun doit être ce qu'il est dans sa code source. Ce code source qui est à l'intérieur de nous, des fois nous manipule jusqu'à ce qu'on devienne maître des énergies intérieures. Quand vous refusez d'être le maître des énergies intérieures,
vous êtes manipulé par beaucoup de choses qui n'ont rien de sorcier, parce que c'est naturel, c'est-à-dire c'est une spiritualité naturelle qui doit manipuler tout le monde, à condition que vous n'êtes pas sur la planète Terre. Si vous êtes sur la planète Terre, alors vous serez manipulé par la Terre, l'eau, l'air, le feu. Vous comprenez pourquoi? Par le pouvoir de cette magie, le feu, l'air, l'eau, la Terre nous demande. La seule formule publique qu'on peut obliger tout le monde à faire, c'est cette formule. Ce gestuel sacré de dimension. Ceci est la maîtrise et la création et l'harmonie cosmique. Mais ceci, c'est la destruction. Les dimensions nous ont parlé. Les énergies ont été orientées. Tout a été prévu. Les bougies pour chaque arbre sont là. Les lampes sont là. Les pièges à démons sont là. Les bouteilles sont là pour enfermer ceux qui seront récalcitrants. Même nous avons un cercueil pour le démon qui vient sans être invité. Tout ceci pour dire que il n'y a pas plus compliqué que la dimension spirituelle. Il est mieux d'être un chercheur curieux que d'être un chercheur qui pratique expérimentalement des rituels que personne ne vous a dit, ça, ça marche, fais-le, et fais-le comme ça. Quand on n'est pas orienté à conjurer un démon, à lui dire, voici ce qu'il faut faire, ce démon fera des dégâts. Et pour les spirituels qui ignorent les analogies des lois, même ceux qui sont des stars et qui manipulent les démons, c'est très déconseillé. Parce que, après votre départ sur la Terre, après votre mort, vos énergies vont continuer à circuler sur la Terre parce que vous avez créé des démons. Vous avez fait venir des démons qui ont continué à fatiguer la société. Votre karma continue de s'alourdir. Alors, je crois que d'une façon certaine, il est demandé à ceux qui veulent vraiment la spiritualité d'être plutôt orienté que de faire des expériences personnelles. Pour faire des expériences personnelles, c'est possible, mais il faut plusieurs années de pratique. Minimum 24 ans de pratique avant de passer à la conjuration, à la convocation, à l'évocation des diables et des génies, des démons que vous allez donner du travail. Mais si vous êtes faible comme un papier hygiénique, surtout un papier hygiénique qui est encore tombé dans l'eau, vous allez créer des dégâts dans la société. Il n'y a pas plus compliqué que cette vie spirituelle. Voilà pourquoi les scientifiques qui font des recherches et créent des fusées, des avions, des choses extraordinaires, ont d'abord eu des communications avec une dimension plus subtile. Voilà pourquoi cette forêt sacrée, aujourd'hui, qui nous a convoqués à venir dormir et convoquer le démon et le génie et de la dimension de la semaine qui commence, tout ceci pour renforcer notre temple, pour renforcer les énergies divines pures que nous déployons pour le bien des enfants des hommes, pour le bien des maquilles. Alors, vous qui voulez une vie paisible dans laquelle le sorcier diabolique, les énergies négatives, le diable, même le marabout ou le spirituel ne puissent jamais vous toucher, vous avez tout simplement besoin de deux choses. Votre étude de la destinée ou votre initiation. Dans les deux choses, c'est à vous, après plusieurs mois et années de pratique, vous déciderez si vous faites un rituel où vous allez verser le sang d'un coq rouge ou d'un coq noir ou d'un coq vert ou d'un coq bleu. Mais vouloir résoudre des problèmes en distribuant votre aura chez les spirituels est la pire des choses. C'est mieux d'avoir la connaissance. Les journalistes disent que celui qui n'a pas la connaissance est un ignorant. C'est la vérité. La connaissance est primordiale pour être libre. La connaissance est le pouvoir.
La connaissance, c'est la liberté. La connaissance, c'est le bonheur. Actuellement, je suis venu avec trois de mes génies que j'ai créés moi-même consciemment depuis 2009. Et ces génies, leur objectif est très simple. Être là en train d'observer dans les trois côtés dimensionnels. Me donner la télépathie, la prémonition et les influences de toutes les personnes qui osent faire ce qu'il est dit, n'influence pas l'aura de quelqu'un sans son avis. Dès que vous le faites, votre image apparaît et je décide ce que je vais faire de ça. S'il faut prier pour vous ou s'il faut vous envoyer un message clair. La spiritualité nous permet de nous protéger. D'abord, de protéger notre progéniture, de rendre notre entreprise florissante et à avancer consciencieusement pour le bien de tous. Mukomiji, tu dis du batato. Pardon, grâce au macrocosme pour les bénédictions. Mukomiji. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es la gloire de l'éternité, accorde-nous ta gloire, ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur. Accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, Source de la vie éternelle, Lumière éblouissante du monde, Amour et plénitude. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, dispose de nous selon ta volonté. Par le pouvoir de la croix Ankh, par le pouvoir du disque d'Akhenaton, par le principe de la croix de vie, je demande la dimension Kunlun et la dimension Kunlungu d'y attribuer et de réorienter. Ainsi, dans les bénédictions, Amon-Ra.